Bonjour ton tube à essai. On est en compagnie d'Andreas pour jouer à Rock Nancy Die 3. Niveau suivant. On massacrait plus d'orques et de choses bizarres. Ouais, parce que les démons sont un peu chelou. D'accord. Donc, la coulée de boue. Bah, ça coule. C'est une couillette. Votre sens de l'humour ? Ah, ça. Non, elle a dit quelque chose d'important. Je suis contente que vous vous entendiez bien. Battez-vous bien. Ça m'a l'air expéditif, ça, comme niveau. Pourquoi il y a des sous-niveaux de couloirs obscurs ? Ah, ici, là. Ah, d'accord. Ah. Pas l'air d'être le bon bail, ça. Hein. Mais de ouf, hein. Je pense que je vais tout de suite budgéter pour ça. C'est ça, je sais pas si tu peux mettre quelque chose au plafond. Les vues au plafond. Parce qu'en fait, je t'explique le projet auquel je pense. Là, j'ai pas le budget. Donc, on va devoir les retenir à grand coup de latte. Mais l'objectif, c'est de leur mettre ça après sous le nez. Et les obliger à se caler contre nos défenses et bloquer par notre défense et les forcer à taper dessus. Voilà. Et je vais leur mettre un piège à clous ici déjà. Déjà, voilà, on a une fine ligne, mais extrêmement efficace. Voilà. Ouais, tout bon. Juste à voir ce que c'est comme ennemi. Ah oui, j'avoue, du coup, on sait pas. Surprise. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. La porte est détruite. Voilà, y a un chasseur Gnoll, je crois qu'il court un peu vite, hein. Ouais. J'ai vu un mec galoper là. Il préfère tuer des mages de guerre plutôt que de passer par la faille. Ah! Ça c'est quelque part, c'est une bonne nouvelle. Tu préfères quoi? Chasser du mage de guerre plutôt que de passer par la faille. Les gnolls en fait vont chercher à nous tuer. Oh là là, hein. Oh, il transpire le backstab Wigo. On revend tout ? On non, se casse ? Non, on laisse. Ouais, mais il faut aller défendre l'autre porte. Bah, je laisse ça, ce que t'habites toi. Vas-y, je laisse ce que t'habites toi. Non, je vais aider. On va faire. Mais on pourra. Sur le prochain système, on pourra faire la même. Là, ici. Là, ouais, ici, là. Sur un système. Ouais, sur ce côté de couloir, là. Ah, alors c'est pas tout à fait du 3, mais ok. Ah ouais mais non, on est bloqué ici. Je peux pas, y a une rambarde ici. Comment ça? Ouais, ça c'est un peu... C'est un peu relou. Et ici le plafond il est baisé. Attends, autant le faire ici, attends, regarde ici. Oui c'est ça, hein. Ouais, on peut faire ça au milieu du couloir. Ouais. Là ça fait tout le chemin. Boum, c'est là? Non, je suis mal placé. Ok. Boum, pourquoi je suis mal placé? Moi je suis jamais aligné. Ici là je suis aligné. Il n'y a pas un meilleur endroit. Ok. Tac ici. Et je peux leur proposer quand même un petit trou du cul. C'est gratos, c'est la maison qui offre. Ouais, ça a l'air bien. Hop, même tiens, hop, juste avant, là où il y a tes clous. Et après il faudra faire le même renfort parce que les deux portes d'en bas passent par le même endroit. Deux portes d'en bas passent par le même endroit. Ouais parce que là il n'y a qu'une porte qui s'ouvre en bas. Mais il y a l'autre porte ici qui va s'ouvrir plus tard. Ouais, ouais, c'est ça, bah oui, on va se cogner les deux, ouais. C'est pour ça que cette ligne, à mon avis, on aura beaucoup à la défendre. C'est pour ça que l'autre, faut vite qu'elle soit très autonome. Parce que celle-là, à la limite, vu qu'il y a un peu de distance, on peut se friter nous-mêmes contre la faille, si tu veux, contre les portes. Une percée par une autre porte. Mais Ils arrivent. Ah, c'est le chasseur Gnoll. T'as vu, ils ont un signe particulier sur la carte. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un gros losange. Et alors, par contre, l'autre problème, c'est que c'est un Gnoll. Hein. Donc, t'as vu, il déclenche le piège, mais il en a rien à foutre des pièges. Hein. Pour les autres. Hein. Ah, oui, c'est un losange, ouais. Hein ? Non, un losange, c'est autre chose. Si, ah non, c'est lui le losange. On peut faire ça toute la journée. Oui. Oh, y a des gros seigneurs là. Devenez plus petits, s'il vous plaît, les gars. On sait pas où ils passent les seigneurs de la terre.
Toujours au même endroit. Enfin, du coup, là, ils passent par la nouvelle. Ah non, ils vont repasser par le. Non, non, c'est bon. Attends, j'ai mal au cerveau. J'ai mal à mon cerveau. Non, c'est bon. D'accord, merci. Mon cerveau fonctionne. Nice. Merci, mon cerveau. Tu fais plaisir. Touk, 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 touk. Tu les mets où, là? Alors, attends, que je me mette dans ton axe. Ouais, je le sens bien. Ça va le faire. Par contre, du coup, faut que j'emprunte un coup, s'il vous plaît. L'endroit idéal. Voilà. Oh, tu sais quoi, j'emprunte deux coups. Voilà. Ça va déchirer. Au moins, c'est esthétique. Oh, bah, moi, c'est quand tu veux. Ouais, il suffit de tuer un connard et. C'est la miette de glace, hein. Ouais. Il suffit qu'on tue un débilus ou deux et je peux reposer un mur. Hein. Le temps. Ouais, c'est bon, je peux reposer un mur de coup. Hop là. Ça va les prendre au dépourvu. L'armée ennemie attaque sur un autre front. Attention, nos défenses ont à nouveau été brisées. Il y a de l'explosif qui arrive. Il y a beaucoup de gnolls, dont de l'explosif. Gnoll. Il n'y a pas de gnoll pour l'instant. Si, si, ça y est, ça y est, on en a fait péter. Hein. Non, c'était cobalt. Oui, cobalt, merde, tu m'as compris. Non, j'ai cru qu'il y avait des assassins qui arrivaient en même temps, j'étais en mode putain, mec, c'est de la merde, ils vont nous courir dessus. Mauvaise journée directe. Ouais, début de mauvaise journée, début. Ah, par contre, là, on sent que moi, vu que j'ai posé de l'incendiaire. Il y en a quelques-uns qu'on a un peu rien à carrer. Hein. Bah, c'est celle qui passe. Là. Oh okay. Putain, faut remonter en haut, en haut, en haut. Ouais, faut remonter au top. En urgence. Vite. Ah, vite. Tes trucs là. T'es un clou. J'aurais besoin que tu mettes une barricade quand même, hein. Je te cache pas. Pour la barricade. Mais je pense qu'ils passeront pas ici, c'est la petite vague. Ouais, bah y'a quand même des gros, hein. Ils ont quand même mis 3 gros, hein. Ouais, la petite vague à la cool, 3 gros. Ouais, qu'après on est peut-être pas obligé de fermer, hein. Il passe au-dessus des barricades, l'enculé. Le chasseur? Ouais, ouais. Le gnoll. Y'a plus de mob ici, faut qu'on descende. Ouais. Eh, on fait des combos avec les explosifs. C'est bien parce que si on les utilise avec les trucs qui aspirent et tout, vers le haut, ça les aspire et ça permet de tempo, faut les stacker, tu sais, genre sur la vague. Ouais, pour faire des grosses piles de dégâts, enfin de meurtre. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, va falloir renforcer en haut. Ici, quand on garde, ça se passe. Hein. Oh, okay. Faut aller en haut. Faut renforcer en haut. Ça, c'est un stopper d'orque. En fait, je viens d'avoir une idée de génie. Je viens d'avoir une idée de génie, mec. Je suis un génie. Sache que je m'aime. Si jamais tu poses un jour la question. Pourquoi donc? Parce que je viens d'avoir une idée de ouf. J'ai vraiment fait ça? C'est quoi ce bruit? Oh mec. Quoi, ça tourne là? C'est la merde. Bah c'est que des petits... c'est que les enculés.
c'est immunisé au feu. Et ceux qui ceux que t'aimes pas. Bah ceux pour lesquels mes pièges sont pas conçus en fait. Mais parfois mais... Ah bah j'ai bugué. Comment ça? Je suis tout seul là? Ouais. J'ai bugué en plein milieu des ennemis. J'ai bugué ici donc du coup je suis en headshot. Bon mal hein. Ok, moi je vends mes pièges muraux parce qu'ils font pas de dégâts. Si toi t'as les tiens, ça serait pas mal. Je les mets où? Ici. Bah, à côté des trucs de. Tu m'as compris quoi. Ok. Bah, je le sens bien. C'est pas mal. Comme idée de défense, on est pas mal. Il va être obligé de venir ici. Je vais avoir besoin d'une petite assiste par ici, monsieur, s'il vous plaît. Je tire. Non. J'ai besoin que tu refasses des pièges. Est-ce que tu peux enlever beaucoup de tes chocs électriques sur le coude pour passer sur du choc non électrique sur le coude? Je vois pas, si, je sais pas si je suis pas clair. Non, t'es pas clair. Ok, que tu mettes des trucs qui les empêchent de se mouvoir. Genre, ces deux-là, tu peux les virer. Regarde, je te les vends même d'ailleurs. Là, tu peux les virer et en fait tu les plafonnes juste au-dessus de cette ligne. Parce que l'intérêt c'est de défendre sur cette ligne à fond. Parce qu'ils vont tous être là, tous au cumul. Donc vends tes trucs électriques qui font très mal au cucu. Tu peux en garder 2 ou 3 si tu veux. Non mais c'est bon, tu vois. Mais le truc vital c'est de les massacrer là-dedans. Ouais mais si tu peux rajouter du piège mur parce que je suis à sec, je plus rien en fait. Parce que là il faut pouvoir les gicler sur les deux murs ici. Je suis un peu à sec. Ouais, un deuxième, possible. Et une plaque cloutée là, hein, parce qu'ils seront stackés ici. Hein. Tu vois, tu peux... Ouais, mais tu vois, tu peux à la limite virer ces deux là, parce qu'ils vont déjà essayer d'aller un maximum vers le tunnel. Donc, à la limite, par contre, tu peux en mettre 2 ici. Juste là. Moi, je pourrais mettre un mur clouté là. Si tu veux, hein, même un ralentisseur et un mur clouté, hein, si tu veux. Parce qu'ici, ils vont chercher à s'étaler, hein, mais vas-y. Pose surtout, parce qu'en fait, là, faut lâcher la ronde. L'endroit idéal. Faire trop de temps. Plus d'ennemis arrivent. Normalement, ça tient au top. C'est le point faible des armures. Ah, c'est pour ça que j'ai mis des gros chargeurs muraux. Fallait pas me chercher. Ah, je crois qu'il y a un chasseur sur piste là. En bas qui arrive, ouais. Les pièges de la mort là où ils ont tenu. Hein. Je vais compléter un peu, mais tu peux les laisser comme ça. Hein. À partir de maintenant, ça va rouler. Tac, tac, tac. Plus d'ennemis arrivent. Charge en mural. Ouais, tu m'étonnes que tu veux rentrer à la maison. C'est tout ?
Ah ouais, oh, par contre le chargeur mural contre les mecs en armure, hein, c'est assassin. Oh, c'est assassin. Genre l'homme il était là, il était plus là. Je vois que l'acteur qui donne le code. Ah ouais, hein, de fou, hein. Oh mais ça, bon, c'est la fusillade, hein. L'abattage. Ouais, t'as l'air d'avoir besoin d'un coup de main, toi. Ah, il y a du monde dans cette petite boîte. Je l'ai pris, mais bon. Bon, faut qu'on renforce cette partie là maintenant. Bah, let's go, je te laisse renforcer. Hein. T'as l'air d'être chaud. Non, je vais te mettre du piège au plafond. Hein. Mortel. Mais j'ai l'impression que ça prend pas. En haut. Appuie quand même en haut. Je vais vérifier ça après. J'en ai trouvé un, il veut me faire la peau. Il y en a un, il est passé, mais c'était pas pour aller à la faille. Oh, comment ça se passe là-dedans? Ça galère, les mecs? Oh, ça... oh, l'embouteillage! Faites des autoroutes! Oh, les mecs, ils veulent plus prendre les chemins de France, c'est hors de question. T'as vu ce monster? Est-ce que tu vois ce kikimeter? Oui. C'est un massacre, hein. Non, mais mec, de l'autre côté, il passe plus aussi, hein. Avec tous les trucs qui les soulèvent. Ouais, je t'en ai rajouté deux. Ah, il y en a un, il est planqué là-haut. C'est très rigolo. Bon, bah, j'arrive. Hein. Bon, résultat, c'était l'idée de Jenny. Excusez-moi, pendant ce temps-là, je mets des pièges. Hein. Je fais une bague d'or de piège. J'ai vraiment fait ça. Voilà, un petit truc de co là comme ça là. C'est l'abattage. Non mais quand tu regardes ici, oh, genre là tu dis mais attends. Ah mais toi t'as pas vu, mais par contre je t'inviterai à aller voir sur la vidéo. Oh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est un retry ça, tout de suite, non? Ah, allez. J'ai mal pour les gnolls. Ah, moi ça m'a fusillé. Le gnoll là qui a fait tout le tour, qui est venu me chercher là. C'était au moment où j'avais posé mes pièges à pic, il a pas aimé. Seuls tous les deux pendant que je retourne aux archives. Il nous manque quelque chose d'important. Votre sens de l'humour? Non, elle a dit là, quelque chose mis. D'important. Oui. Je suis content que vous vous entendiez bien. Là. Vous bien. Comme je ça. Vous reverrai à la fin. Là. Comme ça. Et là maintenant, à partir de là, tu te démerdes quoi. Je peux encore mettre lui, mais je peux pas mettre de piège au sol, je peux pas mettre de ralentisseur. Et si t'en mets, c'est à partir d'ici. Hein. C'est à partir de là, les ralentisseurs, si jamais. Moi, tu m'avais. On avait commencé ici. Oui, mais le feu est là. J'ai mis le piège à feu là où il est le plus utile. Là où si tu ralentis des gens, ils prennent la sauce maximale. Bah là c'est bon, j'ai mis le ralenti. Sinon après ce que je peux faire c'est hop vendre une barricade, regarde hop un piège à feu ici j'ai plus assez pour remettre des clous. Ah ça coûte trop cher. Bon bah tant pis. Allez ça part comme ça, on a pas le temps. J'arrive. On est là pour le temps. Sinon je me mets devant mon piège, comme ça ils viendront chercher devant mon piège. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. La porte est détruite. Ce type a plus envie d'en finir avec moi qu'avec la faille. Ouais, chasseur. Il préfère tuer des mages de guerre plutôt que de passer par la faille. Piégez-les et abattez-les. Je
l'eau qui se fait refroidir. On a réussi. Voilà. Donc tout Bicraft, c'est ça? On vend tout, on se tire. Ouais, mais en fait, t'as pas vraiment besoin de moi. Si, 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 je peux te mettre des trucs au plafond. J'adore les pièges. Ils ne verront jamais ça. Je t'ai mis des trucs au plaf. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre? Superchargeur. Après, je peux te faire comme pour là-haut. Hein. Je t'ai fait te dire, en fait, au lieu de se battre sur toute la ligne, on les resserre. Hein. Ça peut se faire aussi. Hein. Sache que, voilà. C'est... Ouais. Voilà. Pour l'instant, je vais juste te poser un clou ou deux, là. Quoique, non, même pas, j'ai pas le temps. D'accord. Ah oui, parce que je crois que j'aurai pas le temps. Attends, je sais plus. On aura le temps ou pas? Ou la deuxième vague, elle attaque sans qu'on ait eu le temps de... Non, non, sans qu'on ait la possibilité de désosser nos pièges. Si on peut, mais... Une autre porte est attaquée. Vas-y. Attention, nos ennemis ont à nouveau fait une percée. En fait, j'avoue, je vais juste me mettre là, en fait. Abattage en ligne droite. Ah, moult petit merdeux. C'est ça. Faut penser à voir ce qu'il faut. L'équipe de l'ordre. Bon, faut que je remonte là-haut. Y'a pas de vague en haut. Y'a pas de vague là-haut. Mais est-ce que t'as besoin de moi pour le budget? C'est la grande question. Ouais, ça a l'air bah bien. Écoute, le budget, ouais, budget haut, budget. Hein. En avant. Get la chaîne. Plus d'ennemis arrivent. Les ennemis attaquent sur un autre front. Ils ont détruit une autre porte. Ah, ils ont des explosifs dans le lot. Hein. Ils arrivent. Et c'est là où ça arrive en haut, ok. Ça va déchirer. Plus d'ennemis arrivent. Je vais quand même poser une clouteuse. Vas-y, je tire sur quelque chose là. Ah, évidemment. Très convaincant. Hein. Ça va faire du grabuge.
C'est moi ou c'est qui s'est téléporté sur. Non, oui, il essayait à sauter par-dessus le mur. C'est pris mes champs de giflette, et puis voilà. Hein. On va dire ranger ma potion de mana encore une fois. Où c'est la galère de mon côté? J'arrive. Ça, c'est une galère tranquille, hein. C'est ça le truc. Plus d'ennemis arrivent. Ah, je peux pas te rendre le budget. Dommage. Ça va les prendre au dépourvu. Hop, je te rembourse ça parce que je crois que c'est à toi ça. Ça devrait te faire un peu plus de budget. Ça va le faire. J'ai fait lâcher la horde. Ouais, je suis prêt. Voilà, c'est bon, c'est bien. Des caisses. Ah, c'est chez moi que ça arrive en fait, je crois. Ouais, c'est toujours en haut le problème. Ah. J'ai calmé le gros toutou. Alors vas-y, fais-toi griller. Alors parce que moi je veux voir ça. Oh là, mais c'est incroyable hein. Le chargeur électrique hein, c'est d'une violence. Sur les mecs en armure hein, c'est vraiment pas genre un peu plus fort ou beaucoup plus fort, hein. C'est genre fatal. Ok, bon, on est pas mal. Ah, j'ai besoin de plus d'argent pour ça. C'est le moment où tu te fais déborder ça, non? C'est le moment où c'est le zbeul quoi. Oh bah ça va. C'est mort. Peut-être que de mon côté ça a été ultra opti, ça va. Avec des ennemis dans quelques secondes monsieur. Bon je vais voir si moi je peux rajouter un peu de décoration là. Hop. On a gagné.
C'est tout ? Ça parle de... ça prend une éternité. Non, ça prend une éternité. C'est pareil, vous les gars. Bon. Vous êtes mourus de décès. Et bon, ils sont tous morts. Allez. Ah, dis donc, il y a du beau monde là-dedans. Pour te rajouter quelques pièges, hein, si jamais. Rajoute-toi du jeu piège. Mortel. Plus d'ennemis arrivent. C'est ça le truc. Ouais, parce que moi, je suis très fan. J'en ai très bien. Juste que je suis très fan. Comment ça se passe là-haut? Fallait pas me chercher. J'ai vraiment fait ça? Une barricade. Oh mais ils peuvent, hein. Elle est là pour ça. Ça, c'est un stopper d'orc. Une barricade est attaquée. Et restez à terre. J'ai même eu le temps de faire une double ligne d'archer. Entier de la guerre. Voilà. C'est pas GG. Bon, normalement, on a la victoire sur rang. Easy. C'est imparfait. Easy, hein. Voilà, avec 3 petits crânes en bonus, ça fait toujours plaisir. Et on a un protège-bras ardent. Attaque de feu à longue distance. Avec une capacité secondaire de mur coupe-feu à courte distance. Ça parle de feu, ça m'intéresse pas mal. Bon, des bisous YouTube. À l'année prochaine, quoi. Ouais, des bisous. Un peu avant. Bisous.